Je vais vous présenter un glitch de duplication d'armes sur le mode zombie de MW3. Ce glitch peut carrément vous aider à débloquer toutes vos armes, mais je vous explique ça en fin de vidéo. Alors, pour réaliser le glitch, vous allez devoir vous rendre dans le mode zombie de MW3. Ensuite, ce glitch ne fonctionne que avec les armes de niveau de rareté grise. Si vous augmentez votre niveau de rareté de l'arme, le glitch ne fonctionnera plus. Alors, pour dupliquer une arme, c'est super simple. Ça fonctionne avec toutes les armes qui utilisent des munitions. Ce que vous allez faire, c'est de vider complètement votre stock de munitions. Quand c'est fait, vous allez tout simplement laisser tomber votre arme par terre et quand vous allez la récupérer, vous allez voir qu'elle va rester au sol et vous allez pouvoir la dupliquer en illimité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous améliorez votre arme en niveau de pack-a-punch 1, 2 ou 3, eh bien vous allez toujours pouvoir la dupliquer. Tant que vous n'aurez pas amélioré son niveau de rareté, ça fonctionnera toujours. Ce qui est stylé, c'est que même si vous mettez un mode de munitions, le mode de munitions se duplique également. Alors voici un truc encore plus stylé. Si maintenant vous avez dupliqué votre arme à 3 joueurs, voire même plus, et que vous voulez améliorer le niveau de rareté de votre arme, et bien vous pouvez le faire, et ce qui est encore plus incroyable, c'est que si vous le faites, ça améliorera le niveau de rareté de toutes les autres armes dupliquées. Donc là par exemple, Valentin, il a juste switché d'arme, et le niveau de rareté a augmenté en vert, parce que moi j'avais amélioré mon arme en verte. Donc au final, grâce à ce glitch, vous allez pouvoir économiser de l'argent, vous allez pouvoir vous stuff super facilement et vous allez même pouvoir faire plaisir à tout le lobby. Alors maintenant, si vous voulez débloquer toutes vos armes dans votre arsenal, ce que vous allez devoir faire, c'est de demander à une personne qui a l'arme que vous voulez débloquer de venir en zombie avec vous. Ensuite, la personne va tout simplement dupliquer son arme et vous la donner. Quand vous aurez récupéré son arme, vous avez juste à vous exfiltrer pour la débloquer dans votre arsenal. Donc grâce à ce glitch, vous allez pouvoir vous entraider et débloquer toutes les armes de MW3. Alors si vous cherchez d'autres joueurs pour justement réaliser ce glitch, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description et en commentaire épinglé.